Mademoiselle, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Delphine. Delphine. Et Delphine, vous venez de quel endroit ? Je viens du nord de la France, donc de Lille, exactement. Ah, d'accord. Ah, Lille. Et vous nous portez, c'est quoi ? C'est alors un bas-relief, bien sûr, mais ils viennent d'où ? D'Inde ? Oui, 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 ça vient de l'Inde. Et vous l'avez eu comment ? C'est un héritage de famille. D'accord. C'était dans un temple indien qui a été, un temple bouddhiste exactement, qui a été détruit. Et donc ça a été récupéré et on l'a fait revenir en France. Et maintenant c'est à notre émission. À et vous l'aviez mis exactement. Où, en décoration du coup ? Oui. Ouais. Oui, oui. Quelle partie de l'Inde ? Du sud de l'Inde, de Bangalore oui. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, alors c'est très très beau parce que c'est incroyable. C'est lourd, non, ça. Ça doit peser un âne mort. Pas forcément, non. Ah si, oh, les enfants. Lourd. Si, si, c'est lourd. Bah ça. Écoute. Oui, non, ça va. T'as vu que toutes les têtes de chevaux là, comme c'est beau, regarde. C'est pas très vieux, hein. Bon, ouais, parce que sur certains bois, c'est très facile de dater. Sur ce type d'objets qui viennent d'Asie, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Ça date de quand ? Oh, c'est début de siècle. Ça doit être fin 19e, début 20e. Ah, ouais, ouais, c'est début de siècle. Ça doit être du 19e. Il y en a beaucoup de fées, c'est vrai qu'on a du mal à faire. Dans à tous adapter. Les temps, donc c'est un. Oui, en très bon ça. État. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Non, pas trop. Non. Et l'espère, il vous a dit quoi alors ? Ben, elle en a parlé, mais j'ai oublié. Ah, c'est ah. Exceptionnel. Non, parce que là, alors, qu'est-ce que ça représente ? T'as un dragon là, t'as. Ben, à mon avis, c'est des. Là, la calèche, vie, alors hein. C'est quelqu'un d'important là, dans la calèche avec les chevaux. Il y a une histoire de déesse. Là, tu as oui, des déesses. Voilà. Là, ça, c'est des déesses, non, avec c'est les ça, têtes d'animaux, de c'est des déesses. Oui. Mais là, je reconnais pas quels sont les. Toi, tu connais les dieux. Normalement, je les reconnais bien, mais là, j'avoue que je. Ça te dit rien du tout ? Bah non, je. Là, tiens, regarde, on a l'impression qu'il y a le. Saraswati, ça vous dit quelque chose ? Là, on dirait ouais. Une thé de loin, dans les. Je sais pas trop ce que ça représente, ça. Bon, j'ai une idée. On aura tout le temps de l'analyser une fois qu'on en sera propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on va démarrer les enchères à 50 euros. 80. 100 euros. 120. 140, 150. Allez, 200. 220. 250. 280. 300. 320. 50. 60. 380. 400. T'imagines, tu fais juste une... tu le cires avec un cirage totalement neutre. Et c'est magnifique. Ah ben Caro, vas-y, vas-y, cire. Comment ça cirer ? Mais tu sais que moi j'adore ça, ça me repose de restaurer les objets. Ah, t'as le temps ? Ben non, c'est ça mon problème. Voilà. Alors, 400 euros chez François, est-ce que quelqu'un dit mieux ? 425. 460. Ça, c'est quand même pour un fixe. Hein. Pourquoi ? Eh oui, c'est ça. Bah, parce qu'il habite Bali. Et alors ? Il n'a qu'à aller en chercher là-bas, puisqu'il mais habite. Bien sûr, moi, bien je ne peux pas y aller, alors je me l'achète sur place, ici. C'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as pas tort. Bah, il va falloir mettre 460 euros avec François. Est-ce que ça vous convient, madame ? 460 avec moi, est-ce que ça vous convient ? Bah, un petit peu plus, parce qu'en fait, c'est un petit peu quand même un objet, c'est un bel objet, c'est atypique, et puis je pense que ça irait très bien dans une décoration de restaurant ou d'hôtel. Je trouve que ça a beaucoup de charme et... C'est quand même assez recherché. Hein. Allez, 500 euros avec moi. Ah, ah bah, voyez. Ah. Encore un tout petit peu. François, tu t'arrêtes. 520. Ah, ça s'arrête pas. 520, c'est mieux déjà ? C'est un petit peu mieux. Non, mais on était à 460, on a monté. Quoi. En fait, on voulait, mon fils et moi, avec la vente de cet objet, on voulait partir en Inde. Parce que je suis née là-bas et je n'y suis jamais retournée. Ah, d'accord. C'est bien. Et donc voilà, ça aurait... contribuer à participer à ce superbe voyage. 550. Quelle était l'estimation, madame ? 350. Bon, je crois que c'est non, bien. C'est très bien. Après, c'est vrai que c'est lourd et tout, oui, et ça me c'est plaisait. Pas, il y en a quand même, il y en a malheureusement. Il y en a eu malheureusement des temples qui ont été détruits, mais c'est très joli. Ouais, je trouve qu'il est ouais. intéressant, mais... Alors, une fois, deux fois, sinon c'est chez toi. 550 chez moi. Est-ce que tu mets 600 ? Allez-y avec FX. Hein, je... Allez, venez. Allez-y. C'est une belle offre. Hein. C'est votre dernier mot. C'est bien, c'est mon dernier mot. Merci, madame. Merci, madame. Affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.